Le projet de Pierrick s'appelle Cubic Monk. C'est parti d'une idée l'année dernière de Pierrick de dire je vais travailler des morceaux de Monk. Parce que Pierrick vient du bop, donc il a beaucoup travaillé Charlie Parker. Et Monk, pour un saxophoniste, c'est extrêmement difficile. Donc il nous dit les gars, on va faire une petite session de répé. J'ai travaillé Monk, j'aimerais qu'on le travaille avec vous. J'aimerais qu'on joue Monk avec vous. Et puis on commence à le faire et puis on se dit tiens, essayons de faire une petite maquette en studio pour voir ce que ça donne. Donc on a fait cette maquette en studio et puis on s'est dit waouh, ça sonne super en fait. Puis d'abord on a galéré pour trouver les plannings, pour trouver les jours de studio. Donc j'ai dit ok, je m'en occupe Eric, moi je le fais, je vais te trouver les jours de studio, je vais le faire. Donc j'ai un peu tout organisé pour les dates en tout cas. Puis Eric s'est occupé du studio. Et puis on a fait une première session, on réécoute, on dit waouh, c'est super, mais on n'a que 25 minutes de musique, il faut reprendre une session. Et dans la deuxième session, on s'est dit, ben, on va inviter quelqu'un. Donc on a invité Ambroise Akinmusir, qui est un trompettiste américain fantastique. On a rejoué des morceaux, puis on a mis tout ça tout à bout et on s'est dit, c'est super en fait, faisons-en un disque. Pierrick, qui était signé chez Act, il a dit, bon, tu peux toujours essayer. Hein. Il envoie la bande à Act qui dit, bingo, je le signe. Donc au départ, c'est parti d'une maquette. On était allé en studio pour faire une maquette, pour avoir un peu comment ça sonnait. Puis finalement, c'est sorti chez Act. Le disque a été choc. Il a eu le prix de l'Académie du Jazz cette année. Il a été nominé aux Victoires de la Musique. On a fait, une quarantaine de concerts. C'est un peu miraculeux, c'est génial. Je suis endorsé Tama, Zildjian, et pour les baguettes, j'ai un petit peu deux endorsements, j'ai Vic Firth et les baguettes Restagé, Manuel G. Donc Tama, j'ai cet endorsement grâce à Alain Gozzo depuis 22 ans maintenant. Donc ils me font faire des masterclass, j'ai du matériel à disposition. Dans les festivals, je demande toujours des Tamas, et quand le loueur en a, ils mettent une Tama, évidemment, et quand ils n'en ont pas, ben, je joue sur ce qu'il y a, forcément, parce que je n'ai pas la logistique pour qu'un livreur vienne à tous les concerts, vu que je joue souvent amener une Tama. J'ai un deal avec Zildjian, donc avec les cymbales Zildjian. Et avec les baguettes Vic Firth, je joue le modèle American Jazz 4A. Et avec les baguettes Restagé, j'ai un modèle signature Frank Aiguillon. Et je n'ai pas d'endorsement pour les pots pour le moment, parce que je ne les use pas beaucoup en fait. Mes projets perso, ça va être d'essayer de sortir un disque aussi qui est déjà mixé, qui a été enregistré avec Pierre-Alain Gual chez Diego Humbert, qui s'appelle Trio Electrico, qui est un hommage à la Nouvelle-Orléans, qui est assez groove. Le gros projet, on va dire, hors musique, mais plutôt enseignement, c'est de sortir cette méthode qui s'appellera Frank Aiguillon Drumbook, une approche re- et récréative, qui va être un gros bouquin, je pense. Assez intéressant, avec pas mal de sujets abordés. L'année prochaine, je vais enregistrer le nouveau disque du Medium Band de Pierre de Bettman. On va enregistrer aussi le nouveau disque de Diego Humbert. On va faire la sortie du disque de Christophe Cravero au mois de novembre. On risque d'enregistrer le prochain disque avec Eric Lénini en 2014. Je vais essayer de continuer solistique, peut-être de réenregistrer un solistique 3. Quoi d'autre? Que te dire d'autre?